en question. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je vais être brève, car j'avoue avoir été surprise par la virulence des propos de notre confrère Copé. Je voudrais tout simplement réitérer ce que j'ai dit depuis le début de ce procès, à savoir qu'il est dans l'intérêt direct des parties civiles que les droits de la défense soient respectés, qu'ils le soient pleinement. Plus la défense est robuste, plus le jugement fera sens pour les parties civiles. Les parties civiles qui sont dans cette salle et qui viennent tous les jours sont très intéressés de voir les accusés, de les entendre. C'est absolument capital pour elles et c'est une des raisons qui a motivé leur constitution de partie civile, recevoir des explications et entendre les accusés. Elles sont bien évidemment frustrées dans ce procès de ne plus entendre les accusés, mais elles sont en tout cas toujours intéressées de participer à ces audiences et elles comprennent parfaitement le rôle fondamental des avocats de la défense dans ce procès. Je souhaiterais livrer un commentaire personnel suite aux déclarations de notre confrère. Nos confrères nous indiquent ne pas souhaiter boycotter l'audience et continuer de venir tous les jours dans ce procès. Mais comment continuer de venir tous les jours dans ce procès quand on vient d'insulter nommément deux magistrats de cette chambre? Comment continuer d'être payé par une institution qu'on exècre? J'avoue ne pas comprendre la position de la défense. Soit on considère que les conditions sont suffisantes pour être à l'intérieur de l'institution, soit on considère que ces conditions ne sont plus réunies, et il me semble que la seule conséquence logique à tirer, c'est de partir. Parce que sinon, cette goutte qui a fait déborder le vase hier, eh bien cette goutte, elle va revenir la semaine prochaine, dans deux semaines, dans trois semaines. Je vais dire quelque chose que les conseils de la défense ne sont pas, à mon sens, capables d'entendre aujourd'hui, mais je considère, pour avoir également exercé en défense dans un système similaire à celui-ci, je considère que dans ce procès, la défense a toute sa place et que les droits de la défense sont respectés dans ce procès. Je vois la défense sourire. Je vois bien évidemment les frustrations du côté de la défense, mais il va quand même falloir que nous continuions à avancer. Je l'ai dit depuis le début de ce procès, il est dans l'intérêt direct des parties civiles que nous avancions. Il y a eu récemment le décès de Yang Thirit et nous profitons systématiquement de ces occasions pour rappeler que du côté des parties civiles également, les décès se multiplient. Nous avons une vingtaine de parties civiles pour lesquelles nous avons demandé à la Chambre que leurs successeurs puissent succéder à leur constitution de partie civile. Nous avons reçu des informations des villages, des communautés, des familles. Nous indiquons qu'un nombre bien plus important encore de parties civiles sont décédées
depuis le début de ce procès. Donc il est bien évidemment fondamental pour nous que ce procès aille de l'avant, que ce procès aille de l'avant avec la participation de la défense et pour reprendre ce que nous disent souvent les parties civiles, avec la participation active des accusés eux-mêmes. J'entends les frustrations de la défense. Je pense que nous avons tous, de ce côté-ci de la barre, le plus grand respect pour le travail qui est effectué par nos confrères. Mais je voudrais aussi dire que il me semble que les frustrations, en tout cas pour la défense de Nguyen Chia, proviennent du fait que le cadre procédural dans lequel doivent s'exercer les droits de la défense sont mal compris par la défense de Nguyen Chia. Dans un procès de cette nature, où nous avons eu une instruction préparatoire, où nous avons eu une ordonnance de clôture, où nous avons un dossier volumineux qui va servir à forger la conviction des magistrats dans le cadre du verdict, et bien évidemment, une audience et l'audition de témoins a un rôle bien différent que lors d'une audience où tout se joue dans la salle. Je pense que la défense a mésestimé le rôle de l'instruction préparatoire. Beaucoup de choses auraient pu être faites du côté de la défense. Je pense que la défense a mésestimé l'importance de l'appel, de l'ordonnance de clôture. Je pense que la défense comprend insuffisamment l'importance de ce qu'est le dossier et les magistrats pourront utiliser les documents du dossier pour forger leur conviction, quand bien même les témoins ne sont pas systématiquement entendus dans cette salle d'audience. Pour revenir sur le point précis qui a chopé hier, il me semble très clair que la Chambre n'a jamais dit que les PV d'audition devaient être exclus de la présentation des documents clés. Et pour preuve, parce qu'il s'agit précisément de documents clés, c'est-à-dire de documents qui font partie du dossier, sur lesquels les magistrats pourront s'appuyer pour forger leur conviction dans le cadre du verdict, et qu'en général, les PV d'audition qui sont cités dans les audiences de documents clés ne concernent pas des témoins qui viendront témoigner à la barre. Donc, de notre côté-ci, il est clair que les procès-verbaux d'audition de témoins ou de parties civiles peuvent être présentés lors des audiences de documents clés et que dans ce cadre-là, la défense a bien évidemment parfaitement le droit d'objecter à la présentation de ces documents, ce qu'elle a fait d'ailleurs depuis le début de ce procès. Sur le point précis qui a achoppé hier et qui a constitué cette goutte qui a fait déborder le vase. Je voudrais informer la Chambre et les parties, parce que peut-être que tout le monde ne s'en souvient pas, mais j'ai moi-même utilisé un procès-verbal d'audition de témoins lors de la dernière présentation des documents du précédent segment, Tramcock et Ekratachan. Il s'agissait du document E3/55-19. Et que cette présentation de procès-verbal d'audition n'a pas suscité les mêmes réactions que les réactions que nous avons entendues hier. Donc, mon seul souci aujourd'hui, c'est de me dire tout simplement, nous sommes dans cette salle d'audience pour encore en gros une année. Comment pouvons-nous continuer avec une défense qui est manifestement frustrée? Mais comment pouvons-nous continuer dans les meilleures conditions pour que la goutte qui a fait déborder le vase hier ne vienne pas faire déborder le vase demain, après-demain, dans 15 jours ou dans 3 semaines? Et à chaque fois, c'est une journée d'audience qui est perdue, ou peut-être plus. J'en ai terminé de mes observations, Monsieur le Président, et nous en référons à la sagesse du tribunal pour que elle prenne les mesures qui lui paraissent appropriées quant aux événements qui se sont passés hier. Je vous remercie.
Oui, merci, Monsieur le Président. Bien, je vais... J'ai quelques questions à poser qui concernent cette goutte être sûr d'avoir une bonne compréhension des objections soulevées par les participants, c'est-à-dire des objections qui soient claires. Est-ce que les équipes de défense s'opposent à la présentation de tous les procès-verbaux d'audition dans le cadre des audiences sur la présentation des documents clés? Est-ce qu'elles s'opposent seulement à la présentation des procès-verbaux d'audition est-ce qu'elle s'oppose seulement à la présentation des procès-verbaux d'audition de personnes qui ont été entendues dans les dossiers 3 et 4 et dont les procès-verbaux ont été communiqués dans le cadre du dossier 2-2? Par ailleurs, j'ai entendu ce matin avec intérêt l'explication de Maître Verken sur la différence entre le système romano-germanique et le système common law, et j'aimerais qu'il puisse éventuellement nous indiquer quelles sont les dispositions précises dans les systèmes romano-germaniques et peut-être en droit français qui interdiraient à un tribunal ou à une cour d'assises la production au débat d'éléments de preuve qui ne figureraient pas au dossier, à l'exception, si je comprends bien ce qu'il dit, des éléments de preuve à décharge. Il me semble qu'en la matière, il y a un certain pouvoir discrétionnaire, notamment du président de la Cour d'assises, qui permet la production au débat de tout élément de preuve susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, ce qui n'est pas exactement la même chose que ce que j'entends ce matin. D'apporter les clarifications nécessaires, fortuitement. Je ne suis pas venu ici ce matin pour subir une interrogation écrite ni orale. Je suis venu vous expliquer notre réaction d'hier. Je veux bien vous fournir une explication détaillée sur les règles juridiques, mais je voudrais juste d'abord, avant cela, faire preuve de bon sens. Les gens qui sont là dans cette salle, nous tous, enfin, voyons, comment accepter qu'un procès soit à dimension variable. Je veux bien qu'effectivement il y ait un certain pouvoir discrétionnaire de la Chambre pour examiner des éléments qui n'étaient pas disponibles auparavant et qui tout à coup arrivent. Et ça m'est déjà arrivé effectivement aux assises que l'avocat général subitement produise un document qui était inconnu jusqu'alors. Mais enfin, soyons sérieux, nous parlons de quoi là? Nous parlons de milliers de dépositions écrites qui proviennent d'une autre enquête dans un dossier très particulier, puisque ce sont des dossiers dans lesquels seuls les procureurs ici peuvent agir, peuvent réclamer des actes, poser des questions et ensuite continuer à alimenter le présent procès qui normalement la transmission et la communication des preuves est close, sauf certaines conditions. Et là, monsieur le juge, on n'est pas en train de parler de 2-3 documents. Vous le voyez bien, on n'est pas sur deux. On peut toujours jouer sur les règles juridiques, mais c'est toujours possible. Oui, c'est peut-être toujours possible, mais là, on parle de milliers de dépositions. Et puis, écoutez ce que vous dit, monsieur le procureur. Monsieur le procureur vous dit quoi? Il vous dit, ah, mais je ne peux pas travailler à distinguer dans un procès verbal ce qui est à charge ou à décharge. C'est une blague.
vague. Et donc je vous communique tous ces milliers de dépositions. Nous avons demandé des délais, vous nous avez refusé. Je vous communique des milliers de dépositions et puis vous en ferez votre affaire, je ne peux pas. Et nous on peut peut-être. On est une équipe de 6 personnes et on va le faire, on va aller lire en détail, on va faire le travail du procureur. Jamais dans le premier procès, j'entends bien, jamais les procureurs n'ont déposé des procès-verbaux de déposition des dossiers 3 et 4. Pourquoi ? Parce que, ou à peine, me dit-on derrière, ça a pu arriver, mais pas dans ces proportions-là. Pourquoi ? Parce que nous savons tous ce qui est en train de se passer dans ces dossiers 3 et 4, c'est-à-dire qu'ils sont menacés politiquement dans ce pays d'être fermés et de ne jamais aboutir. Alors, sous couvert de sauver les dossiers 3 et 4, on viole allègrement les droits de la défense. On peut peut-être, monsieur le juge Lavergne, utiliser des arguments juridiques, et c'est tous notre métier de le faire, pour dire « Ah mais oui, mais c'est possible, ça peut toujours exister. » Ça peut toujours exister, mais dans des proportions pareilles, ça ne s'est jamais vu ce qui est en train de se passer. Jamais. Et c'est une violation avérée et absolue des droits de la défense. C'est une évidence de bon sens. Je veux bien vous répondre pendant des kilomètres de pages sur les jurisprudences et les législations internes, externes, internationales et tout ce que vous voulez. La vérité, c'est que ce qui est en train de se passer est tout à fait anormal. Et que vous devriez réagir et que la Chambre devrait faire preuve d'impartialité en disant au procureur stop, ça suffit, on arrête, éventuellement dans une mesure raisonnable, on peut accepter quand c'est vraiment capital, mais là, vous vous moquez du monde. Et non seulement ils se moquent du monde, mais comme je l'ai dit, ils se moquent de vous et de vos décisions. Ensuite, pour répondre à ce qui a été dit aussi du côté des parties civiles, j'en ai un peu assez d'entendre qu'on dise de la défense qu'elle est frustrée. Ça n'est pas un problème psychologique, ça n'est pas un problème personnel que nous faisons valoir ici aujourd'hui devant vous. C'est un problème juridique. Il y a un vrai problème d'équité de ce procès. Et c'est cela que nous disons alors qu'on arrête de nous dire oui, ils sont un peu frustrés, je me demande s'ils vont tenir le coup. On n'est pas dans un salon ou dans un salon de coiffure ou que sais-je, on est dans une salle d'audience et quand nous quittons la salle, on peut trouver que c'est une défense du faible, oui, mais nous sommes faibles. Et c'est bien là le problème, c'est que nous ne sommes pas écoutés autrement qu'en posant des actes qui sont effectivement dérisoire, alors vous pouvez toujours dire c'est dérisoire et ne pas entendre le message qu'il y a derrière. Bien, je crois que je vais rappeler ma première question. Je crois que c'était ma première question. Je n'ai pas entendu de réponse. Est-ce qu'il est possible aux équipes de défense de nous dire s'ils objectent à la présentation de tous les procès-verbaux d'audition dans le cadre des audiences sur la présentation des documents clés, s'ils objectent seulement à la présentation de procès-verbaux d'audition de personnes vivantes ou seulement à la présentation de procès-verbaux d'audition de personnes ayant été entendues dans les dossiers 3 et 4. Nous nous opposons à la production de tous les éléments d'enquête provenant des dossiers 3 et 4. Est-ce que l'équipe de défense de Nuncha peut nous éclairer sur ce point ? Mr. President, I think our objection yesterday was very clear. We objected to the use of WRIs during what we call a key document presentation. Let me, just for all clarity, refer you to E. 315/1, your decision, your own decision. It says, in case 0001, the trial chamber, you establish the practice of holding key document presentation hearings, which provided the parties with an opportunity to present key documents considered to be particularly relevant to its trial topic.
These hearings to get into account the documentary evidence need not necessarily be tendered during the examination of individuals appearing before the chamber, and also serve to ensure a greater measure of public accessibility to the documentary aspect documents. People in that courtroom have to understand not only what witnesses are saying, but what is being said in documents, what is being said in revolutionary flags, in minutes of the Standing Committee of the Central Committee of the CPK. These are documents. Prosecution doesn't have enough documents to make their case, so they resort to reading WRIs. Of course they can use WRIs, but not now, not at the key Oui, donc si je comprends bien, la défense de Nunchia s'oppose à la présentation de tout procès verbal d'audition, considérant qu'il ne s'agit pas de documents au sens où la Chambre l'aurait entendu. Again, you don't seem to understand what I'm trying to say. What I'm talking about the parameters of a key document presentation. Prosecution can say whatever they want during the closing briefs. That's up to them. They can use WRIs. Of course they can. I'm talking about the key document presentation here. That was what it is all about. It's about documents. Pieces of paper, preferably contemporaneous, and if necessary, journal articles or academic scholarly work. That's fine, but it is not, if you don't have enough evidence, sufficient in this realm, in these parameters, to just simply read some excerpts of WRIs. What is that about? That doesn't make any sense. Monsieur le Président, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que il est vrai que ces audiences sur les documents clés ont toujours fait problème. Personnellement, je crois que ça s'est toujours très mal passé. Ce qu'il y a, c'est que à ce stade du procès, évoquer des procès-verbaux, pourquoi pas, mais nous ne savons toujours pas quelle est la liste des témoins qui vont être présentés devant cette chambre jusqu'à la fin du procès. Ces présentations de témoins, pour des raisons qui sont peut-être bonnes, mais je ne suis pas en train de parler de ça, ces présentations de témoins, elles varient sans cesse. Les deux témoins que nous avons, enfin la partie civile, les témoins que nous avons entendus en début de semaine, n'étaient pas présents encore la semaine dernière, et tac, ils arrivent. Alors, vous voyez bien que il y a quand même, j'entends bien que ces audiences sur les documents clés sont supposées se dérouler à un moment où un segment est terminé, mais les segments, ils sont ce qu'ils sont. Quand on prévoit un dernier segment sur le rôle des accusés, comment l'entendez-vous? Comment l'entend-on? Est-ce que dans tout d'un coup, on ne verra pas arriver dans le segment sur le rôle des accusés, des témoins dont les dépositions ont été lues au préalable par les procureurs lors de l'audience sur les documents clés portant sur des sujets différents. Et puis quand les procureurs disent « on ne plaide pas », c'est bien sûr faux, et c'est l'impression qui se dégageait hier du début de cette audience. D'ailleurs, je me souviens parfaitement d'entendre le procureur Vincent De Ville présenter un document en disant « ça, vraiment, ce document est sans appel ». C'est son expression, sans appel, c'est-à-dire une interprétation qu'il a livrée à ce moment-là du document. Donc on voit bien qu'on est dans un exercice qui est très ambigu, très compliqué, très difficile. Autoriser à ce stade la lecture de procès-verbaux, alors que même nous ignorons même quels seront les témoins qui vont venir et sur quel sujet, ça paraît quand même extrêmement périlleux. C'est la raison, à mon sens en tout cas, de notre côté, entre autres, une des raisons, parce qu'il y a toute une chronologie, un historique qu'on pourrait faire, de la grande difficulté que constituent pour nous ces audiences sur les documents. Pas y avoir
បាទអរគុណនៅរដ្ឋមតិយោបល់របស់ភាគីដែលបានលើកឡើងជុំវិញបញ្ហាដែលកើតមានការវិមសិញមិញហើយនឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានបញ្ហានោះផងដែរហើយអង្គជំរះក៏ទំគាល់ឃើញថាបញ្ហាដែលបានលើកឡើងនៅព្រឹកនេះយើងទីជាពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពហិការនៃការដកខ្លួននិងចាក់ចេញពីបន្ទប់សំណាកការរបស់ សហមេធាវីការពារក្តីជួនចាប់ចោតនឹងពីក្រមដែលបានមិនបានផ្ដល់ចលិកោច្បាស់លាស់ការពីម្សិលមិញហើយយើងបានស្ដាប់រួចហើយរួមទាំងការស្ដាប់នៅមតិយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតតបទៅនឹងការឆ្លើយបំភ្លឺបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុរបស់ភាគីសហមេធាវីការពារក្តីជួនចាប់ចោតទាំងពីក្រមហើយទី2មានបញ្ហាលើកឡើងនៅបញ្ហាច្បាប់មួយចំនួនធំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការដាក់បង្ហាញឯកសារគន្លឹះសំខាន់ៗចំពោះមុខអង្គសហមេធាវីដែលជាមូ
បាទអរគុណឥឡូវនេះដោះស្រាយដូចនេះបញ្ហាដែលយើងបានគ្រោងឥឡូវវាមានព្រឹត្តិហេតុដែលនាំកើតមានឡើងដែលយើងមិនអាចធ្វើឲ្យហេតុការណ៍នេះរារាំងនៅកិច្ចដំណើរការរបស់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនចេះចប់មិនចេះហើយនោះទេយើងត្រូវពិចារណាដើម្បីរកដោះស្រាយសមស្របបំផុតដើម្បីឲ្យភាគីអាចទទួលយកបានរបស់ទាំងអស់គ្នាហើយដំណើរការពីពេលអធិបតីក្រោយទៅមុខហ្នឹងឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅបានល្អរលូនហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាព ជាពិសេសគឺសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចដំណើរការសំណាការរបស់អង្គជំនះតែម្ដងបញ្ហាទី2យើងមិនទាន់ច្បាស់ទេពេលវេលាយើងបានពន្យាពេលរហូតដល់ថ្ងៃនេះដោយសារមូលហេតុដែលយើងបានប្រាប់ហើយក្រៅពីបញ្ហានោះយើងនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពថាតើជំហររបស់មេធាវីការពារក្តីលោកបានបង្ហាញនៅព្រឹកនេះថាលោកនៅរក្សាជំហររដែលឬអត់ បើសិនបើគាត់មិនគាត់រក្សាជំហររីព្រឹកនេះថាគាត់មិនឆ្លើយតបឬក៏មិនដាក់បង្ហាញឯកសារគន្លឹះពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុទាំង3ដែលយើងកំណត់ធ្វើសកម្មភាពនេះទេពេលវេលាដែលយើងកំណត់ឲ្យទំនងជាអាចលឿនជាងមុនហើយល្អដែរដោយសារបញ្ហានេះយើងមិនបានបញ្ជាក់ដោយសារការបដិឆេទនៅថ្ងៃនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងក៏គ្រោងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់ថ្លៃថ្លៃទុកសោកវេទនារបស់ ដើមម្ដងរាប់រាប់ពីនេះដូច្នេះសូមជម្រាបថាបច្ចៈវិញហើយអរគុណលើការកត់សម្គាល់នេះថាអង្គជំរះនឹងឆ្លើយតបទៅភាគីលើបញ្ហានេះនៅរសៀលនេះឬក៏នៅថ្ងៃស្អែកលើបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លើបញ្ហាថាតើដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌនៃភាគីកាមេធាវីការពារក្តីមិនដាក់បង្ហាញឯកសារគន្លឹះនៃចំពោះមុខអង្គជំរះពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុដែលអង្គជំរះកំណត់នេះ ហើយក៏មិនឆ្លើយតបដែរយើងកាលវេលាដូចជាមិនវែងទេអាចមួយថ្ងៃអញ្ចឹងកិច្ចការនោះអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជម្រាបជូនថាការវិភាគដែលអង្គជំរះបានគ្រោងរួចហើយគឺធ្វើសកម្មភាព4ថ្ងៃគឺបន្ទាប់ពីថ្ងៃអង្គាររហូតដល់ថ្ងៃសុក្រវាផ្លាស់ប្ដូរគ្រាន់តែត្រឡប់ពីយើងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទជំនួសដើម្បីយកពេលវេលាមកវិភាគសាពិនិត្យចេញស្ដីសម្រេចលើបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យវារលូនសមស្